tu dois vraiment être fou, Piccolo. Tu voulais enlever ma tête? Madame, c'est vous? Désolé, j'ai pensé que c'était un voleur. Sans vous vexer. Donc, tu m'as pas entendu entrer? Et qu'est-ce que tu continues à faire avec ces pilons dans ma maison? Je t'avais dit de te débarrasser de ça. Madame, c'est pas comme si tout ce que vous dites, je vais entendre. Vous voyez cette chose que j'ai entre mes mains? Je vais jamais jeter ça. Cette chose, je ne la jetterai jamais. Et toutes les instructions que vous me donnez, vas-y, fais ceci et utilise la machine. Je fais presque tout pour vous. Est-ce que vous vous salissez aussi? 3 mois à la cité et tu voles ces mondes. Madame, je sais que je suis bizarre. Je suis très bizarre. Vous voyez cette chose que j'ai en main? Arrêtez de la dévisager. Vous ne la prenez même pas en considération. Mais toutes ces choses que je fais toujours pour vous, c'est grâce à ceci. La bonne pâte d'igname, c'est grâce à ceci. Foufou, que je fais que vous mangez plein la bouche, c'est grâce à ceci. Cette chose ne vous a rien fait, laissez-la. C'est moi qui l'utilise, alors je dois dire quand je serai fatigué. Si je fais cette chose maintenant, vous verrez comment je vais commencer à préparer. Vous allez commencer à me crier dessus, vous allez commencer à crier sur moi. Madame, oubliez cette chose, elle ne vous a rien fait du tout. Tu sais quoi? Je suis fatiguée et épuisée. Je te préviens de ne plus jamais avoir ce genre d'attitude envers moi. Désolé, madame. Madame, il y a 3 soupes aujourd'hui, laquelle allez-vous prendre? La soupe égoussi ou bien Anga? Madame! Toucher cette voiture. N'ose pas. Donne-moi cette clé de la voiture. Maman! Maman, vas-y doucement. La clé de la voiture. Où est mon argent? Donne-moi cet argent immédiatement. Maman, je l'ai juste prêté, ok? Je te payerai quand je ferai mon propre argent. N'ose pas être arrogante envers moi. Je ne sais pas si j'ai vraiment mis au monde. Quel genre d'enfant infractionnable es-tu? Maman, vous avez commencé à m'insulter à cause de combien, hein? Je giflerai cette bouche si tu oses encore me dire ça. Je giflerai cela. Je ne peux pas te permettre d'utiliser mon argent dans des choses dangereuses et dans des bêtises. Maman, maintenant tu commences à exagérer. Maman, tu vas me blesser. Je préfère te blesser que de t'autoriser de quitter cette maison avec mon argent. Reviens ici. Fiona! Ok, continue à être maligne. Ne reviens plus haut. On verra. Qui est là? C'est moi. Bébé? Oui. Oh mon Dieu. Laisse-moi entrer. Bébé. Bébé. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Je pensais que tu n'allais plus venir. Je ne viendrai pas. Oui, c'est ce que je pensais. J'avais vraiment peur. Qu'est-ce qui t'a gardé?
ne t'inquiète pas, je suis bien maintenant. Hein, où est la drogue? C'est où? Vas-y, je sais. Ah. Dépose-toi, vas-y. Oui. Tu l'as? Voici le bâton que j'ai ici. Oui, j'en ai déjà vu bébé, je ne peux plus entendre. Je suis là pour toi, je suis là pour toi. Je sais, bébé, je commence à avoir peur. Aime ce truc, plus que tu m'aimes. Ah, voyons, bébé, je ne vais surtout pas me séparer de l'aide entre vous. Oui, je sais, je le fais que tu es prêt. Ne t'inquiète pas, ok? Oui. Bébé, ça c'est. En tout cas, ça, je t'assure, tu vas vraiment. Oui. Oui. Bébé, pourquoi es-tu éveillé? Ah, je m'en souviens, je t'avais apporté quelque chose. Ah. Je t'ai apporté quelque chose. Oh. Es-tu inquiet? Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien du tout, bébé. Je t'ai toujours dit que toute chose ira mieux. Allez, bébé. Ça n'a pas l'air comme si tout va s'arranger un jour. La frustration dans mon pays va me conduire jusqu'à me susciter. Bébé, voyons. Où est... Je suis vraiment... Non, je non, suis non, bébé, ne dis pas sérieux. Ça. Écoute, si je ne quitte pas ce pays bientôt, je pense que je vais avoir à y mettre fin. Ah, bébé, écoute, tu commences à me faire peur, ok? N'est-ce pas que j'ai essayé? Hein? Je partageais tout ce que je gagnais mensuellement avec toi. Pour et... combien de temps? Mais pour combien de temps je vais continuer à vivre derrière toi et derrière la richesse de ta mère? Mon cœur, peut-être que tu dois trouver quelque chose d'autre à faire. Allez bébé, nous avons déjà parlé de cela. Où irais-je trouver du travail? Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait l'université et même l'école secondaire je n'ai pas terminé. Quel est cet employeur, quelle est cette personne dans ce pays qui peut envoyer quelqu'un qui n'a même pas terminé l'école secondaire et lui payer même 50 000 naira? Et même si ça arrive, est-ce que c'est avec ce montant-là que je peux vraiment donner un sens à ma vie? Mais donner à moi-même la vie dont je rêve et même prendre soin de toi comme tu le mérites vraiment? Bébé, je ne sais même plus quoi dire ou faire. Écoute, bébé. Je te dis, la meilleure chose pour moi, c'est de quitter seulement ce pays. Je t'en ai déjà parlé. Si je vais à l'étranger, je trouverai un très bon travail qui me paiera suffisamment bien. Ok? Et j'aurai encore un peu d'argent qui me permettra de refaire les études si je veux bien. Ou commencer un autre business et me faire plus d'argent. Enfin, je prendrai bien soin de moi. Et je pourrais faire que tu viennes me rejoindre et nous allons vivre dans le bonheur. Oh, tu vois, nous allons voyager partout. Nous allons nous amuser et avoir la vie que nous méritons tous les deux. Et non, c'est genre, regarde un peu cet endroit. Je ne peux plus continuer comme ça, bébé, s'il te plaît. Parle à ta mère. Parle à ta mère afin qu'elle m'aide. J'ai juste besoin d'un prêt, d'accord? Je paierai une fois que j'arrive là-bas. Mais bébé, tu sais que ma maman est vraiment difficile à convaincre.
Et en plus, nous ne sommes pas en bon terme maintenant, tu le sais. Écoute bébé, il faut que tu le fasses. Écoute, il faut que... ceci, ma vie en dépend. Tu ne comprends pas ça? Je dois partir. Je ne veux pas que ma mère soit en colère que je suis rentrée en retard. Salut maman. Génial. Vous savez, ils sentent être probablement amoureux de vous. C'est un test pour une bonne buveuse. Maman, voyons. Ah, je devine. Vous êtes toujours en colère contre moi? Ne me dites pas que vous êtes toujours en colère contre moi. D'accord, bien. Je suis prête pour te remettre ton argent pour que la paix puisse régner. Moi, je ne faisais que tirer tes jambes. Voici ton argent. Qu'est-ce que vous regardez? Essayons de voir. Oh, il n'y a rien de si intéressant à suivre ces derniers temps. De toutes les façons, je dois être dans ma chambre. Mais quoi? Espérez-vous vraiment trouver? Vous savez, maman, j'ai juste eu un bon moment de sexe. C'était wow. Peut-être que vous devez essayer. Vous êtes devenu si grand, chez. Maman, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? As-tu pris ça à mon insu, n'est-ce pas? Je pense que je t'avais prévenu de ne plus utiliser ce genre de substances. Maman, vous m'avez giflé et je le ferai encore plus que ça. Si tu ne te comportes pas bien toi-même. Tu sais quoi? C'est assez avec toutes ces choses. Maintenant, tu vas me dire c'est con qui essaie de détruire ta vie. Dis-moi qui est cet homme inutile. Tu sais quoi? Il faut que tu sois prête. Parce que je t'enverrai aux États-Unis le mois prochain voir ton psychiatre. Vous n'allez pas faire ça, non, maman? Je ne suis plus une enfant, alors arrêtez de me traiter ainsi. Hey, hey, quoi d'autre? Bien fait. Je te traiterai comme une enfant que tu es, si tu n'es pas capable d'être responsable. Ça serait mieux de contrôler ta langue. Ou quoi, maman? Ou qu'est-ce que tu vas faire? Me traiter comme tu le fais? Ou peut-être me mettre hors de ta maison?
C'est vraiment ça que tu peux faire. Mais si tu attends ce moment, ça serait vraiment trop tard. Jeune fille, ne me tente pas. Ne te déplace pas parce que Fiona est emprisonnée. Emprisonnée comment? Madame, ça veut dire quoi emprisonnée? Que voulez-vous dire par emprisonnée? Est-ce qu'emprisonnée c'est une soupe maintenant? Je vous en prie, parlez en français que je pourrais comprendre. Elle n'est pas permis de quitter cette maison aujourd'hui. Ah! Hé! Madame, pourquoi est-ce que vous me demandez de faire ça? Vous voulez me renvoyer, c'est ça? Pourquoi vous me demandez de faire quelque chose que vous savez que je ne pourrai jamais faire? Une petite que vous pouvez vous-même gérer. Vous voulez que moi je puisse la garder, sérieux? Celle-là est un autre. Maman. Je veux que nous parlions. Un bonjour, pour être mieux pour commencer. N'es-tu pas d'accord? Désolée. Bonjour. Bien. J'aimerais aussi te parler d'une chose vraiment sérieuse, mais pas maintenant. Je suis en retard. Un instant. Tu n'es pas permis de quitter cette maison aujourd'hui. Tu es enfermée. Maman, je suis sérieuse. Maman, vous êtes sérieuse? Attends, viens. Hey, pourquoi tu me touches comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu ta mère. Tu l'as entendu. Tu as bien entendu que tu es emprisonné. Tu es emprisonné ici. Tu ne sortiras pas aujourd'hui, alors dis-moi comment est-ce que tu veux que je puisse te retenir. Hey, il n'y aura pas que la soupe. Je pourrais faire autre chose. Ah, puisque tu me tournes le dos pendant que je te parle, tu ne verras pas la nourriture. On verra là où tu vas manger. Madame a déjà parlé. Je vais fermer toutes les fenêtres, oh. Je vais préparer des ignames. Gaspiller ta salive, tous les jours tu fais que gaspiller ta salive. Mais lorsque cette pauvre fille viendra ici, tu feras comme si tu ne m'as jamais connue. Hé, arrête ça. Arrête ça maintenant. Arrêtez quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ne parle pas de ma chérie comme ça, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Fina, tu oublies quelque chose, oh. Tu oublies que toi et moi sommes là seulement pour nous aider. Ah oui, nous sommes là que pour ça. Et puis d'ailleurs, on ne s'est aidé qu'une seule fois, tu vois ça? Oui. Tout l'argent que je te donne, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te demandes où je prends cet argent-là? Hein? Mais tu le... Tu... Et alors? Alors? Arrête de perdre mon temps. Quand cette fille-là vient, tu deviens agité. Allô? Bébé? C'est comment? As-tu déjà parlé avec ta mère? Pas encore, mais... Cette nuit... Oh. Oui. Mais bébé, je veux cette substance. Ma maman a pris tout ce que j'avais porté à la maison. Oh wow. Ok. Mais le problème est que je n'ai plus de stock en ce moment. Et je n'ai vraiment plus d'argent là. Si tu n'étais pas parti avec cet argent, peut-être je serais déjà capable de... Je sais, acheter quelque chose pour nous. Bébé, ne l'utilise pas encore. Au moins que maman m'écoute. Oui, tu as raison. Mais tu sais quoi? J'ai un peu d'argent dans mon compte. Le problème est que je ne peux pas quitter la maison maintenant. Maman m'a enfermée. Wow. Ok. Mais je peux bien nous le trouver. Donne-moi juste l'adresse et comme ça j'apporterai la chose là-bas et ils vont me donner cet argent. Ah, non bébé, cela n'est pas une bonne idée que tu viennes jusqu'ici. Ok, je comprends. Trouve alors un moyen de sortir de la maison et venir ici avec. Ok? Je trouverai la marchandise, d'accord? Ok, bébé, ok. Non.
Fina, s'il te plaît, je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises là. Il y a une affaire que je vais régler maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi leur passer, s'il te plaît. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Fina, Fina. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Tu vas pas me laisser passer, oh. Fina, Fina. Tu vas me laisser passer maintenant, oh. Laisse-moi passer, j'espère que tu n'as pas oublié qui je suis, oh. J'espère que tu ne me cherches pas. À quel moment j'ai voulu jouer avec toi? Allez, va-t'en d'ici. Allez, va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. J'ai dit va-t'en d'ici. J'ai dit va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. N'importe quoi. Va auprès de personnes qui te suivent. Tu ne sais même pas comment, auprès de qui tu vas terminer ta journée. N'importe quoi. Piccolo. Petite madame. Piccolo. Où est les épices? Je vais faire la bouillon. Ah, vous voulez faire de la soupe? Oui. Ça veut dire que vous voulez faire de la soupe? Ouais. Si vous voulez faire de la soupe, demandez-moi, je vais vous en préparer. Non, trouve les épices pour moi. Je le ferai moi-même. Ça veut dire que vous allez faire de la soupe vous-même. Et pourquoi vous n'arrêtez pas de faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez vous changer en taureau maintenant ou bien c'est quoi? Je suis bien épicologiste, trouve les épices pour moi. Yeah! Ah waouh! Depuis quand est-ce que vous avez commencé à cuisiner vous-même? Vous qui m'attendez toujours, même quand il fait 16 heures, si je ne prépare pas, vous n'allez même pas manger. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Comment ça, il n'y a plus d'épices dans cette maison? Attendez, attendez. Je suis Piccolo, sûr qu'il y en avait, non? Les épices ne sont pas là, hein? Va juste m'acheter d'autres, hein? Vous savez, l'argent que m'avait payé la fois passée, c'est ce que j'avais utilisé pour acheter des pissous. Juste va acheter d'autres pour moi, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller prendre l'argent à l'intérieur. Ok. Ah ah. Les épices disparaissent maintenant dans cette maison. Hé hey. Voyez-moi ce problème, oh. Madame, désolé, hein. Je vais aller vous acheter quelque chose. Quand vous mangerez, vous vous sentirez mieux. Bikonu, ouvre la porte. Hey! Ouvre la porte, ouvre non, la madame, porte. Madame, ouvre ne fais pas ça, ne fais pas ça, ouvre la porte. Hey! 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 Qu'est-ce que je viens de voir juste maintenant là? Hein? Sérieux, il a failli me tuer alors que je ne lui ai jamais rien fait depuis que je suis né. Quel genre de blague est ça? Ha! Cette fille après s'est failli me tuer, oh. Ha! Dieu, je t'en supplie, oh. Mon Dieu, c'est quel genre de travail? Il y a vraiment plusieurs façons de mourir, mais même pas comme ça. C'est quel genre d'esprit comme ça? J'attends madame comme ça, je vais lui dire ça d'abord. Mais qu'est-ce que tu dis là? Mec, mais tu ne veux pas me vendre quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que j'ai déjà été en retard avec mes paiements ou avec mon engagement? Tu sais quoi? Va te faire foudre, d'accord? Tu prends ta putain de marchandise et l'utiliser là-bas dans la toilette, avec toi-même là-bas. Et devine quoi? Je ne veux plus jamais faire affaire avec toi, tu comprends? Tu penses que je ne sais pas où d'autre j'irai trouver la marchandise? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? J'exige des excuses. Bien.
J'arrive là-bas tout de suite et que tout soit déjà prêt, s'il te plaît. N'importe quoi. Désolé ou... Piccolo. Pardon. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, non? Sans te vexer, je pensais que c'était ma petite madame. Pardon, c'est sans rancune, hein. Donc si c'était Fiona, tu allais la frapper avec cette ceinture? Et pire encore. Écoute, laisse-moi te dire. Quand un enfant n'écoute plus les gens, quand un enfant n'écoute plus, tu vois cette chose ici? C'est ça qu'on prend pour remettre son cerveau en place. Une fois que tu l'attrapes... Il va redevenir normal. Qui t'a donné ces droits? Qui t'a donné cette audacité? Écoute, oublie ça. Allez, oublie ça. Est-ce que tu as déjà vu dans cette parcelle pour demander si cette fille avait aussi un papa? As-tu déjà vu son papa? Piccolo, que veux-tu que je fasse avec ça? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Écoute, toute maison où le père ne se trouve pas. Tu vois, toutes ces maisons où les pères ne sont jamais là. Tout homme qui se trouve là, même si c'est un portier, il va prendre en charge toute la maison. Devenir le père figurant pour eux. Et c'est le travail que je fais maintenant. Tu vois cette fille-là, je me suis toujours retenu pour elle. Mais si tu avais vu ce que cette fille m'a fait là aujourd'hui, si tu vois ce que mes yeux avaient vu à cause de cette fille aujourd'hui même, si je l'avais retenue, si j'avais essayé de résister, cette fille m'aurait tué. Dès maintenant, hein, je prends la place de son papa dans cette maison. Tout ce que sa maman la fera, je le ferai aussi. Ah, c'est quoi ça? J'ai entendu. Où est Fiona? Est-elle à l'intérieur? En passant, ne dis à personne que je t'ai frappé cette ceinture, s'il te plaît. Où est Fiona? Il y a de la nourriture, oublie un peu Fiona, s'il te plaît, et va manger. Ne dis à personne, oh. Tu sais comment c'est difficile de trouver un job. Tu m'as entendu? Ne dis à personne que je t'ai frappé cette ceinture comme ça, que ça reste dans ton nom en tout cas. Ne dis ça à personne. Donne-moi de l'eau. Ouais, vas-y. Tiens. Waouh. C'était vraiment très bon. Je suis soulagée que tu aies apporté la nourriture. J'étais vraiment affamée comme si j'allais manger toute une chèvre. Je savais que tu allais te réveiller très affamée. Oh oui. C'est pourquoi je t'avais préparé cette nourriture. Merci. Cette drogue était comme une bombe. Je suis vraiment allé très loin pour toi. Je suis vraiment allé chez mon meilleur fournisseur. Je savais bien que tu allais aimer. Merci, je l'avais aimé. Tu sais, bébé, j'espérais que tu allais parler à ta mère l'autre fois quand tu étais rentré à la maison le soir. J'allais pas être enfermé aujourd'hui si maman était d'une bonne humeur. Ta mère, ça se sent que c'est vraiment une femme très stricte. Oui, elle est. Waouh. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Est-ce que tu ressembles à ta mère? Bien sûr que oui. Tu n'as jamais vu ma maman? Non. Ou comment? Je n'ai jamais vu ta mère. Waouh, ça c'est trop méchant. Ma maman est très belle, trop sexy et trop jeune. Elle est comme ma sœur. Vraiment, je n'ai aucune idée que tu n'as jamais vu ma mère. Non, cela n'est jamais arrivé. D'accord, attends que je te montre. Laisse-moi te montrer ta photo. Oh, j'ai un appel. Salut, Denis. Quoi? Es-tu chez moi? Oh, mais maintenant? Ah, ok, d'accord, je suis déjà en route. Juste patiente, ok? Ok, bye bye. Bébé, oh, mais tu... mon ami est chez moi. Je dois me dépêcher pour aller la rejoindre. Qu'est-ce que je dois aller? Ah, non, bébé, juste calme-toi, ok? Je te parlerai, d'accord? Moi... Tu ne veux pas? Non, t'inquiète pas, d'accord? Laisse-moi aller la parler, hein? Elle est déjà là. Bye. D'accord. Thank you.
Vas-y doucement. Merci. Surtout, n'ose pas dire quoi que ce soit, oh. Écoute, regarde-toi bien. Ne dis pas à madame que je t'ai frappé la ceinture, oh. Je t'en supplie encore. Tu sais, ce travail, c'était dur pour moi d'en trouver. Tu es un con, hein? Oui, ça, je le sais très bien. C'est pas du tout une nouvelle chose. Hey! Mais, je ne peux pas résister à ta nourriture. Comment penses-tu y résister? Comment penses-tu y résister? Je vais te dire, dans mon village, hein, si tu vois comment je vendais ma nourriture pendant les enterrements, tu croirais même que je suis un escroc. Il faut que quelqu'un meure. Bim! Direct, on me contacte. Mon téléphone sonne direct. Mais pardon, ne meurs pas. Je suis vraiment un très bon. Piccolo! La voilà, ton ami. Je sais. Ma maman t'a parlé. Salut, bébé. Ne me dis pas que tu as laissé cet homme à la maison. Piccolo, apporte-moi une cuillère, je vais manger. Quelle nourriture? Cette nourriture. Piccolo, apporte-la sa propre nourriture. Ah, laisse-moi manger. Attends. Nous devons avoir une discussion, toi et moi. Quelle causerie. Piccolo, apporte-moi la cuillère. Sa nourriture. Quel appel? Ma maman m'en parlait. Où est ma nourriture? Bébé, honnêtement, je suis inquiète pour ta maman. Cette nouvelle habitude que tu as à te droguer. Ta mère n'est pas du tout contente et elle m'a dit de t'en parler à ce sujet. Ne crois pas ma maman, ok? Elle en fait juste des problèmes. Et tu dois bien l'essayer. Crois-moi que c'est vraiment un beau paradis. Fiona. Oui. Le sexe est vraiment explosif et très fantastique. C'est vraiment hors de ce monde. Vraiment? Oui. La combinaison de Leonard et Fiona est juste hors de ce monde. T'es vraiment sérieuse là? Je dois voir cet homme qui te fait agir ainsi. Ne t'inquiète pas, tu vas le rencontrer bientôt. Vraiment? Tu peux imaginer la façon dont il me caresse. Dis-moi alors, quand est-ce que je vais le rencontrer? Oh, vraiment, tu veux... Ne dis pas à ta mère que je ne t'ai pas parlé. Ne me mets pas dans de troubles. S'il te plaît, c'est ma maman. C'est comme si vous avez un problème avec la voiture, madame. Dégage juste près de moi. Hé, hey, je suis seulement venu pour voir si je peux vous aider. Garde tes distances. Vous savez, ce n'est pas bon pour vous de traîner ici, madame. À cette heure de la nuit. Et vous comprenez ça, n'est-ce pas? J'aurai de l'aide. Vous êtes sûr? Parce que je peux quand même vous aider. Débrouillez-vous. Allô?
Julienne, es-tu dans le parage? Écoute, j'ai juste parqué mon véhicule au coin des Christmas. S'il te plaît, viens me récupérer d'ici. Merci. Fiona! 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 Ah. Quel genre de problème est celui-ci encore? Comment est-ce que quelqu'un peut se mettre sur un fauteuil et ouvrir ses jambes comme ça? Ouvrir ses jambes! Ça veut dire quoi ça encore même? Devrais-je la toucher? La toucher? Fiona! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi peux-tu venir dans ce salon ici? Entrez dans ce salon, écartez tes jambes! Écartez tes jambes comme ces filles du karaté, comme ces filles du judo! Arrête de faire tout ça parce que si tu penses que tu fais tout ça pour me séduire, si ton plan c'est me séduire, en tout cas ça ne marchera pas. Parce que ce qui m'a déjà séduit là d'où je viens, avant de venir ici, tu n'arrives pas à la cheville. Ah, ah. Ah, qu'est-ce qu'il y a, non? Laisse-moi tranquille. Va à l'intérieur, je vais te dire, va à l'intérieur, s'il te plaît. Allô, bébé? Allô, chérie? Ton téléphone sonnait. Où étais-tu? Je suis désolée, j'ai dormi. Ok. Ok. Est-ce que tu as pu parler à ta mère à propos de cette affaire? Non, elle n'est pas encore à la maison. Ah. Allez, bébé, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Parce que autrement, je serais vraiment obligée de faire quelque chose de vraiment drastique pour avoir de l'argent. Ah, bébé, voyons. Tu n'as pas à faire quelque chose, ok? Ne t'inquiète pas, quand ma mère sera de retour, je lui parlerai. Bébé, tu es là? Oui, 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 je te rappelle. Vous êtes encore là. C'est comme si les dents questions n'arrivent pas. Écoutez, madame, je peux être une aide pour vous, d'accord? Écoutez, si c'est moi je voulais du mal, j'aurais déjà fait longtemps.
Ok. Je peux vous aider? Ok. Très bien. Alors, ouvrez le capot. Oh, ma mère. Ça m'a fait trop mal. Puis-je vous aider? Non, restez dans la voiture. Ok. Attendez. Oh, es-tu sûr que tu ne veux pas de mon aide? Quel pourrait être le problème? Démarrez maintenant. Ok. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. Ce n'était vraiment rien de sérieux. Il n'y avait qu'une petite déconnexion électrique. Ah, je suis vraiment désolée. Non, ça va, pas besoin d'être désolée, madame. Rester traîner ici à cette heure n'est pas vraiment sécurisant pour une femme comme vous. C'est pourquoi je vous comprends parfaitement. Merci. Ah, puis-je payer pour ton service? Cela t'a pas dérangé? Bien. Autant que je voudrais dire non, j'ai besoin d'argent. Oh. Alors. Merci. Merci. Vous devriez partir maintenant. Bien sûr. Restez pas longtemps ici à cette heure. Au revoir. Conduisez prudemment, d'accord? Ok. Conduisez prudemment, ok? Maman, tu es venue trop tard aujourd'hui. Un problème de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Rien du tout. Jusqu'à un moment, j'ai des troubles dans ma tête. Mais j'irai mieux. Je serai bientôt prête dans ma chambre. Je voudrais qu'on parle pour quelques minutes. Thank you.
Fina. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu es entrée ici? Mais je t'attendais, oh. Dis-moi simplement que tu n'es pas heureux de me voir. Ce n'est pas que je ne suis pas content de te voir, mais... comment tu es entrée ici? C'est ma maison. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais la porte était ouverte. Je vais passer la nuit avec toi. N'étais-je pas manqué? Toi et qui? Ah, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas l'humeur pour ce genre d'histoire cette nuit. Va-t'en. Tu n'es jamais d'humeur. À chaque fois que j'essaie de t'offrir mon corps, tu me repousses. Que je suis dans le mood et je veux le faire, mais toi, tu ne veux pas. Tu n'es qu'un casse-pied. Je dis que je ne suis pas d'humeur. Maintenant, c'est par force ou quoi? Oui, par force. Oui, par force. Et aujourd'hui, hein? Tu vois cette chose? Je veux le prendre aujourd'hui. Donne-moi ça. Donne-moi. Qu'est-ce que tu as? Toi et qui? La tête ne supporte pas ce genre d'histoire. Ne suis jamais le toucher. Faire dans toi, cette chose. Si c'était ta petite amie, elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. J'en vais aussi, alors donne-le-moi que je le prenne. Est-ce que tu vas bien? Hein? Chérie? Hein? Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Bébé, ça va? Bébé, ça va? Hey, es-tu sûre que tu vas bien? Es-tu sûre que tu vas bien? Allez, viens, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mon Dieu. Hey. Bébé. Hey. Es-tu sûre que tu vas bien? Tu vas bien? Tu sais que tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Bébé, viens à l'intérieur. Bébé, mais arrête ça, s'il te plaît. Tu vas bien? S'il te plaît, arrête-moi ça. Viens avec moi. Attends. Oh non, toi. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tu vas bien? Tu vas bien? Viens m'aider, viens m'aider. Bébé, arrête-moi ça, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. On la monte, s'il te plaît. Laisse-moi. Bébé, arrête ça. Arrête ça. Laisse-moi. On la met là-bas. Laisse-moi. Arrête ça. Bébé. Laisse-moi. Arrête ça. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Est-ce que vous allez bien? Je t'apporte ceci. Lève-toi pour manger. Oui. Bébé. Tiens. Tu en as besoin. C'est une bonne soupe. Ça va t'aider. Je me dis que je n'aurais jamais dû te mettre dans ces histoires. J'aurais dû savoir que tu n'allais pas supporter. S'il te plaît, n'essayons plus jamais cela. S'il te plaît, plus jamais pour toi. D'accord? Vas-y, mange. Hé, arrête. Reste là. Je vais la drogue. Je pensais qu'on était d'accord, chérie. Plus jamais ça pour toi.
Je sais, mais tu ne vois pas. Je tremble. Tu ne peux vraiment pas supporter ça. Non. Oh non, mon Dieu. C'est bon. Je vais m'en occuper. Juste un peu. Ouais, juste un peu et c'est juste bon. Juste un peu. Et c'est la dernière fois. Ok. Voyons, de pêche. C'est pourquoi je dis que ta tête ne va pas supporter cela, tu vois. S'il te plaît, oublie, ne touche plus jamais ça. Pourquoi je ne peux pas la toucher pendant que si c'était ta copine, tu allais lui donner, hein? Viens, une autre chose, s'il te plaît. Ne parle plus jamais de ma petite amie. Laisse ma petite amie loin de ta bouche. Ah, laisse-nous tranquille. Quelle petite amie? Tout le temps petite amie, petite amie, petite amie. Qui suis-je maintenant? Qui suis-je pour toi? Et qui tu es? Dis-moi. Qui es-tu? Ok, c'est parce que je n'ai pas l'argent, n'est-ce pas? Comment tu sens quand... Attends, combien cette fille te donne? Sache que je peux faire mieux que ça, mon gars. Je peux même aller à la rue et vendre mon corps. Je ne te comprends pas. Tu as quoi? Qui te dit moi, ça? Moi, non. Tu sais ton bébé. Fille, s'il te plaît, je n'en ai pas besoin. Pars maintenant. Où aller? Pars, s'il te plaît. Je ne vais nulle part, mon gars. Je suis venue passer nuit ici. Fille, sors de ma chambre. Je ne vais nulle part. Yeah. Viens prendre ce bon pied. Sors de ma chambre. Oh, pourquoi tu veux que je parte? Sors de ma chambre. Mais qu'est-ce que tu... chez toi. Oh, sors d'ici. Je vais te tirer par la jambe. Sors d'ici. Sors de ma chambre. Ce n'est pas bien, non? Je te l'ai déjà dit. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, viens. Ah, laisse-moi, je m'en vais, Prends tes affaires. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Sors. Va-t'en. Va-t'en. Ah. Je dis que je ne le ferai pas par force. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Vas-y. Viens et assieds-toi. Et laisse-moi écouter ce que tu veux vraiment me dire. Maman, je veux l'argent, en tout cas beaucoup d'argent. Ok, combien? Plus de 5 millions de naira. C'est sur ce point que tu vas m'éclaircir. Pourquoi tu veux ces grands montants d'argent? Bien, mon ami, il veut voyager hors de ce pays et aller dans un pays qui l'a vraiment intéressé. Mais il n'a pas encore complété son visa. Ai-je entendu il? Je vois. Maintenant, qui est ce con? Il t'a pas seulement transformé en une cinglée, mais il te manipule pour me désobéir. Maman, ferme ta gueule! Comment as-tu osé tenir avec ces cons pour me mentir? Regarde-toi. N'as-tu pas honte? Ah, ma propre fille. Une droguée et une voleuse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Quoi? Je le savais. Je savais que ça allait être une erreur de parler avec toi. Je te mets en garde. Thank you.
Allô? C'est comment? Pas si bien, bébé. J'ai eu un moment très dur avec maman. Non, pas ça. Ce n'est pas possible. Bébé, j'en ai assez de ces histoires-là. S'il te plaît. Il faut que tu trouves un moyen de lui parler. Tu ne comprends pas? Bébé, je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Bébé, arrange ça, s'il te plaît. D'accord? Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Je veux dire, je n'ai personne d'autre qui veut m'aider à sortir de cette situation. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je fais ce que je pouvais. Fais tout ce qu'il faut, s'il te plaît. Tu peux lui faire du chant. Oh non, mon Dieu. Attends une minute. Tu suggères juste que je dois faire chanter ma mère? Écoute, je deviens fou ici. D'accord? Je deviens fou. Bébé. Oh, merci. Ah oui, j'avais aussi entendu à propos de la promotion. Oui, je continue toujours à garder mon sang-froid, tu sais. Jusqu'à ce que ça devienne officiel. Tu peux encore le répéter. Quel couronnement glorieux de devenir une meilleure employeur. J'ai entendu que c'est le samedi. Merci. Bye. Ta maman va avoir une promotion jusqu'à ce que je serai couronnée dans le monde industriel. Je suis contente pour toi. Ne sois pas seulement contente pour moi, mais donne-moi aussi un sens d'être contente pour toi. Ah. Au moins, j'ai à parler avec ta tante Harriet de prendre ton admission dans l'université des USA. C'est un meilleur endroit pour commencer. Si c'est plan n'inclut pas mon petit ami, alors je ne suis pas intéressée. Jamais de la vie. M'as-tu entendu? J'ai interdit de fréquenter ces cinglés. Tu ne les connais même pas. Oh, une bonne nouvelle. Il est chanceux. Parce que si je l'avais connu, il allait voir de quel bois je m'échauffe. Bien. Je ne pense pas que cela arrivera jusque-là. Écoute. C'est juste 2,5 nerfs à maman. Envoie ça dans mon compte si tu ne veux pas que cette vidéo se propage partout sur les réseaux sociaux. Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que je fais de mal en état à ton maman? C'est juste 2,5 millions. Et je le vais dans mon compte dans moins de 4 heures. Une minute. Tu sais, ça serait mieux que tu te trouves un homme. Et arrêter d'utiliser ces vibrateurs pour satisfaire ton libido. Je suis sûre que tu ne sais plus comment une femme se sent. Maman. Maman! Maman, je vous parle! Maman! Maman, je dis que je suis désolée. Désolée? Tu penses que toute chose qu'on dit désolée, pardonnée? Mais maman, tu allais juste me comprendre et donner l'argent que je t'ai donné. D'abord, est-ce que tu t'entends parler? Ah, tu as dépassé le limite, Fiona. Je n'arrive même plus à te reconnaître.
Salut. Salut. Je pense que je reconnais ce visage. Quoi? Vous êtes la femme de l'autre Falani, n'est-ce pas? Quoi? Ah, j'espérais que vous alliez reconnaître mon visage aussi. Je te reconnais. Mes excuses. Je suis juste un peu détendue. Oui, j'ai remarqué. Problème en famille? Vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas. Un étranger ne devrait pas plier. Est-ce que vous permettez que je me joigne à vous? Tu es vraiment si drôle. Je veux dire, toute personne qui dit des choses qui me font rire aujourd'hui, je ne peux pas quitter cette personne. Bien. C'est une très belle vue, voir rire comme ça. Ça fait un petit contraste avec la femme effrayée que j'ai vue l'autre fois, toute seule sur la route. Je pense que tu me comprends bien. On le sera pour toujours. Ça peut aussi être une opportunité. Bien, si j'avais cette opportunité-là, ça serait quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis? Si on se verra encore la semaine prochaine. Oh. Maintenant, je pleure. Pourquoi? C'est demain que je voyage pour les États-Unis d'Amérique. Alors, peut-être quand tu seras de retour. Peut-être. Alors, voici ma carte. Appelle-moi quand tu seras rentré. Je le ferai. Oh, c'est l'air de s'en aller. Serveur? Pourquoi vous ne me laissez pas m'occuper de la facture? Ne t'inquiète pas, hein? J'insiste. Écoute, je sais que je ne suis pas un chasseur d'hommes comme toi, mais tu es juste assise devant un gentleman ici. S'il te plaît. Ok, bien. Merci. Très bien. Le serveur? Es-tu sûr que tu rentreras dans 2 semaines? Oui, j'en suis très sûr. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Je vais te manquer. Toi, tu me manques déjà, bébé. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai, d'accord? Une fois que j'arrive là-bas. Tu n'as pas d'autre choix. Hé, hey, c'est donc comme ça maintenant. Alors vous la coulez douce et vous ne m'appelez même pas. Tu ne m'as jamais rappelé. Je pensais que nous étions proches, non? Oh, mais Fina, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu voulais vraiment que je fasse? Tu me dois beaucoup. Tu es mon gars. Tu es ma personne. Voilà, tu vas faire la fête, tu ne me dis rien, tu t'en vas juste comme ça. Fina, s'il te plaît, arrête-moi ça. Je ne te dois aucune explication, aucune excuse. Hein, s'il te plaît. Hé, hey, mon gars, j'espère que tu n'es pas sérieux là. Donc c'est vraiment moi qui te dis tout ça maintenant? Je t'entends pas, ok d'accord, ok moi je m'en vais, je vais pas t'oublier. Tu sais, d'accord. Je sais très bien que tu ne vas jamais m'oublier. M'as-tu déjà oublié auparavant? Tu ne le pourras jamais, tu ne pourras jamais m'oublier moi. Partout où tu iras, je vais te chercher et tu reviendras. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. Ouais, je ne t'entends pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Je te dis que je n'ai pas encore fini de parler. Fina, qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît? Allez, laisse cette fille et reviens, non? Tu vas m'oublier juste comme ça? Tu ne pourras jamais m'oublier. Fina, tu m'entends? Tu ne vas jamais m'oublier. Je peux même te maudire maintenant. Je te jure, mon gars, je te maudis parce que tu décides de m'oublier maintenant. Avance, ma chère. Qui est-elle? C'est Fina. Tu ne la connais pas? Je ne la connais pas. Pas. Elle est juste une fille de vos images. Je te suivrai partout où tu iras. Fina, laisse-moi tranquille, non? Je ne veux pas te libérer. Je dis, je ne veux pas te libérer. Je ne comprends pas. Partout où tu iras, je te suivrai. Tu veux t'en aller? Tu veux me fuir à cause d'elle? C'est impossible. Pas possible.
Je te dis, c'est impossible, Yona. Je dis, c'est impossible. Tu veux m'abandonner, me laisser toute seule, comme ça, juste comme ça. Tu t'en vas vraiment. Mais sache que tu reviendras. Je te promets que tu reviendras. À cause de cette fille, tu es partie. On verra. Malade. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Comment vous pouvez prendre de vin? On dirait que c'était de l'eau. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je suis arrivé ici, vous vous comportiez comme une grande femme. Maintenant que vous commencez à prendre ce genre de choses, prenez-en au moins petit à petit, non? Stoppez un peu, regardez autour, croisez les jambes, regardez la télé, pensez. Une gorgée après l'autre. Voilà que vous en prenez 20. Est-ce que vous voulez vraiment vous tuer comme ça? Je veux dire, vous voulez vous tuer, c'est ça? Il vaut mieux si je m'enferme. Ne vois-tu pas que j'ai échoué en tant qu'une mère? Madame, vous avez dit? J'ai échoué en tant que mère, ne vois-tu pas? À 100%. Vous avez échoué, yakata yakata, ya 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 ya. Vous avez échoué complètement. Vous n'avez même pas eu un seul point. Un seul comme ça. Voilà que vous êtes là, dans votre coin. Vous avez mis au monde une petite, vous n'avez même pas voulu à ce qu'un homme puisse prendre soin d'elle. Vous l'avez fait vous-même et voilà ce que ça a donné jusque-là. Maintenant, vous voulez que je puisse faire quoi? Condamner cette petite-là? Vous voulez que je condamne cette petite maintenant? C'est ça que vous voulez? Piccolo. Comme tu peux le voir, je ne suis pas une buveuse. Contrôle ta langue. Ah, désolé, oh, madame. J'ai parlé un peu trop. Désolé. Mais on peut quand même en parler, oh. Si on regarde bien, vous avez détruit cette fille. C'est vous qui l'avez détruite, regardez vraiment bien. Si vous aviez laissé un homme vous aider à faire un ou des trucs, cette petite n'aurait pas été comme ça. Voyez comment elle commence à réfléchir, parce que moi ça, je ne comprends même plus rien. Pensez bien. Piccolo, as-tu été aussi frappé par ton père? Avec une ceinture, oh. Avec une très bonne ceinture. Une très bonne, avec du piment, oh. Très souvent. Pour moi ainsi que toutes mes bêtises. Madame, je veux vous dire, vous voyez, moi... Quand j'étais petit, si tu fais une quelconque bêtise, hein, toi-même dans ta chambre, tu vas déjà commencer à rêver qu'on est en train de te frapper sans qu'on le fasse. Puis tu vas sentir sur ta jambe, bam, lève-toi. Tu vas commencer à confesser. Le genre de frappe que tu vas recevoir cette nuit-là, à 2h du matin, à 3h, ça dépendra de ton réveil. On nous réveillait pour nous frapper. En tout cas, c'était une fois que quelqu'un commet une bêtise, on l'accusait, sans attendre pour qu'il soit corrigé. Tu commets une bêtise et puis on t'accuse. C'est comme ça qu'on a été élevé. Mon père était mort quand j'avais 10 ans. Désolé. Ah, j'ai été élevée par ma mère. Mais toi, élevée par ton père. Et moi, j'ai été élevée par ma mère. Maintenant, entre toi, qui a été élevée par ton père, et moi... qui est élevé par ma mère. Qui vit bien dans la vie? Désolé, madame. Sans vous vexer, hein. Sans vous vexer. Vous avez raison, alors je vais pas vous vexer. Thank you.
Leonard? Leonard? J'ai parlé avec toi ce matin. Tu es supposé être en Texas. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, le mec qui s'occupait de mes documents a vraiment tout foiré. J'arrive pas à y croire. Tu dis que tu étais dans la ville et tu prétends être en Texas. C'est vraiment ça? Bébé, je ne savais pas comment te dire que j'avais été refoulé. J'espérais seulement me battre et réunir l'argent et voyager encore, sans vouloir te déranger encore avec mes problèmes. Se battre? La même bataille que tu n'as pas fait, qui m'a mis dans les troubles entre ma mère et moi. Et c'est de quoi dont tu parles? Bébé, désolé. Bébé, je te promets que je vais arranger ça. Ne me touche pas. Je n'arrive plus à comprendre qui es-tu en réalité. Fiona. Fiona. Merde. C'est juste 2,5 millions, maman. Envoie-moi ça si tu ne veux pas que cette vidéo se propage sur tous les réseaux sociaux. Je ne te reconnais plus en réalité. Qu'est-ce que je fais de mal comme une maman? C'est 2,5 millions et je les vais dans mon compte sans toutefois te forcer. Mais maman, tu allais juste me comprendre, me donner l'argent que j'ai demandé pour ça. Écoute-toi d'abord. Est-ce que tu t'entends parler? Oh, tu as dépassé les bornes, Fiona. Je ne te reconnais même plus. Je n'ai pas trop envie de fêter l'anniversaire, comme tout le monde le veut. Je me demande parce que je n'ai pas d'humeur pour aucune célébration. C'est un fameux problème et je ne suis pas prête pour en parler. D'accord. Merci. Thank you.
Maman. Hey! Comment as-tu osé, Piccolo? Madame, je vous en prie, je n'ai pas touché petite madame. Oh. Je ne l'ai pas touché, je le jure. J'étais juste là et puis j'ai vu petite madame arriver. Avec les yeux rouges, comme quelqu'un qui avait fumé du chanvre. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, elle a vomi sur mon corps. Alors je me suis dit de l'emmener ici pour pouvoir la nettoyer. Penses-tu que je vais croire à tes sottises? Ah ah! Madame, pourquoi n'allez-vous pas me croire? Ok, descendons alors en bas comme ça, vous allez voir nos habits. Vous allez voir les habits qu'on avait portés et vous verrez qu'il y a vraiment les vomis dessus. Oh, et oui, ferme ta gueule! Madame, ne me faites pas taire, je vous en prie. Ne me demandez pas de me taire. Quand je vous dis la vérité, ne me demandez pas de me taire. Je vous dis la vérité, je le jure. J'ai pas touché petite madame qui se trouve juste là. Je le jure devant Dieu. Même si je suis coupable, je préfère utiliser cette culpabilité pour quand même dire que quand je l'ai emmené ici, je l'ai mis là et j'ai bien lavé ses derrières. J'ai lavé sa poitrine, j'ai bien tout lavé et puis je ne l'ai même pas touché, je vous jure. Piccolo, dégage. Madame. Sors d'ici. Désolé, madame. Je le jure. Oh, va-t'en. Je le jure. Oh, je n'ai rien mis là-bas à l'intérieur. Fou. Je n'ai rien fait. Et regarde-toi, l'alcool a détruit ta mémoire. Que tu es allé te laisser chez les gardiens. Une fille trop basse. Maman, si tu penses que je vais me rabaisser jusqu'au niveau de Piccolo, alors ça serait ton... Ne me laisse pas arriver jusque-là. J'ai la drogue dans ma tête. Je vois que ta nullité n'a plus de valeur. Une fille honteuse. Piccolo, j'ai vu un peu d'eau. Ok, il n'y a plus d'eau actuellement. Tu peux retourner en haut, hein. Je vais acheter de l'eau et puis te l'emmener. T'inquiète pas, si c'est fait, tu m'appelles, je viendrai prendre ça. Aucun problème. Piccolo. Madame. Je veux que tu me dises la vérité. Tu veux bien? Petite madame, comment peux-tu dire ce genre de choses? Comment peux-tu d'ailleurs penser de telles choses? J'ai déjà dit que je ne l'ai pas fait. Je suis là seulement pour t'aider. Je ne peux en aucun cas te faire du mal. Mais c'est moi qui devrais plutôt te demander. Qu'est-ce que tu as pris avant de venir ici? Tu veux vraiment donc te tuer? Ah, arrête-moi ça. C'est les gens de personnes qui n'aiment pas les accusations. C'est les gens de personnes, quand vous essayez de les accuser, voilà qu'ils vont faire... Toi-même, tu n'as jamais fait ça alors qu'il a fait quelque chose. Tu crois que j'ai dit à ta mère que moi, là, qu'est-ce qui se passe au juste? Faut y aller doucement en tout cas. Si je voulais, j'entrerais déjà là-bas depuis longtemps. Tu as gagné. Je vais appeler Ariette et lui dire de commencer avec le préparatif. Sweet can be bitter, especially when it is sweeter than it should be. It feels like
the best thing in life. When it feels so real, real good, too good to be true. Les clés. Vous allez me manquer, maman. J'en doute fort. Finis tes études et s'il te plaît, ne fais plus ce genre de choses, s'il te plaît. Je peux bien prendre soin de moi-même. Viens dans mes bras. Derrière toi. Jide? 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 Oui. Allez, ouvre-moi ce portail, sale paresseux. Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu t'en fais faire là-bas? J'étais allé me soulager. Tu sais, que ce soulagement te tue là où tu trouves. Que ce soulagement te tue là-bas. Ton renvoi, il est déjà proche. Vois-toi et vois ton renvoi. Regarde-toi et vois ton renvoi. Tu n'as aucun sens. J'ai entendu. Oh. Va-t'en de là, je t'ai appelé 9 fois. Il restait un peu, j'en arrivais à 25. To see that the path you were walking on could end up in a wrong turn. You feel so good and high, and in pleasure you always sigh, wanting it again and again. This pleasure could turn into pain. There is no gain at the end. You will surely have yourself to blame. It's not good for you when it is too good to be true. It may feel so good, taste so good, but turn out to be nothing but poison. It's not good for you. Et tout ça, c'est juste pour que j'aille au travail en retard ce matin. Allô? Ah, bonjour, ah, s'il te plaît. Cela te prendra combien de temps pour que tu arrives ici? Ah, merci Seigneur. Ah, je suis sur le numéro 5. C'est des pêches de pêche. Merci. Ah, tu es là? Ah, ok, j'arrive. Salut encore, madame. Salut, tu es pareil, différent. Est-ce que c'est un compliment? Oui. Merci. Oh, je ne savais pas que tu étais un chauffeur. Oh, bien. Un homme doit faire ce qu'un homme doit faire pour survivre. J'ai fait l'enregistrement seulement la semaine passée, donc c'est un peu nouveau. Ah, ok. C'est sûr qu'on fait tout pour survivre. Tu m'amènes à la banque pour être plus précise. Bien sûr, mais je prends la partie pour toi. Ah, je vais mettre devant. Tu es sûr? Ouais. Très bien, alors. Merci. Ah, qu'est-ce qui s'est passé en Amérique? Je pensais que t'allais venir à ton retour. Ça n'a pas marché en Amérique. J'ai été finalement refoulé. Et pour t'appeler, je suis désolé, j'avais en fait perdu ta carte. Es-tu toujours cet homme gentil?
Je risque de te conduire au travail en retard si je dois répondre à toutes tes questions maintenant. Ah, madame, j'aime vous voir comme ça, oh. Vous voilà en train de sourire. C'est comme si c'est le gouverneur que nous attendions ici, le fils du gouverneur. Oh mon Dieu, donc, tu n'es pas contente de me voir comme ça, heureuse? Non. Oh, s'il te plaît, va me prendre d'autres choses. Madame, je me suis dit que je pouvais juste profiter de cette opportunité pour vous supplier afin que vous puissiez juste augmenter mon salaire puisque vous êtes contente comme ça, vu que je travaille dur. Quel salaire? Inclure quel salaire? Mais... tu es sorcier. S'il te plaît, va me porter d'autres choses. À cause de votre mood, non? Dépêche, dépêche. Je crois qu'il est là. J'arrive. Patientez. Chut.
suis là. Salut. Salut. Alors, bienvenue dans ma maison. Waouh. Ça, c'est quelque chose. Complètement hors de ma ligue. Que crois-tu que ça peut être? Un immeuble ou quelque chose d'autre? De toutes les façons, on osait dîner. Je te montrerai le reste. Merci. Bienvenue, monsieur. Merci. Tu peux t'asseoir ici. Excusez-moi, madame. S'il te plaît, prenez place. Merci. Tu vas aimer. Et comment tu trouves pour qu'on commence à savourer notre dîner? Tu vas aimer. J'ai une confession à faire. Je me sens vraiment comme un invité de première classe ici. Comment? Bien. Je n'avais jamais été traité comme ça. Jamais. Par personne. Vraiment? Ouais. Et comment tu trouves la nourriture? Bien. À partir de l'arôme seulement, je peux dire que tu es une bonne cuisinière. Le goût est vraiment magnifique. Merci. Non. Merci à toi. Sinon, je suis curieuse par les changements des nouveaux styles. Bon, laisse-moi t'avouer. Peut-être que tu dois changer ton style. Tu sais, en venant ici, le mieux que tu changes. Disons seulement qu'à un certain point de ma vie, je me suis regardé pendant très longtemps dans un miroir. Je n'étais pas très fier de l'homme qui me regardait par derrière. Alors je me suis dit qu'il était temps de faire quelques changements et devenir une meilleure personne. Génial. Impressionnant. Alors, est-ce que tu préfères cette version de moi? Et tu veux que je dise le contraire? Pas vraiment. Waouh, j'ai passé un très bon moment aujourd'hui et la nourriture était merveilleuse. Écoute, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu de vue le temps. J'adore le compliment. Je peux te déposer? Je pense que tu commences à oublier que j'ai toujours ma clé avec moi. Ça c'est vrai. En passant, oui, je te vois le week-end. Je veux dire si tu auras le temps. Nous allons voir. Ok. À plus. Tu penses que tu es doué, c'est ça? Ok, très bien. Là, c'est 24, 24. Très bien. Tu es un menteur. Non, je ne le suis pas. Je Écoute, l'ai. Tu penses que tu es doué dans ce jeu, hein? C'est quoi ces mots? Ça, c'est Ea. Mais une fois que j'aurai fini avec toi, tu n'auras plus d'autre option que de m'appeler maître. Continue à te louer toi-même. Tout le monde sait que ce jeu va prendre fin quand tu auras abandonné. Moi? Abandonné? Oui. Dans ce jeu? Tu triches. Oh, bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Je ne triche pas. Et qu'est-ce que c'est? C'est Ea. Qu'est-ce que cela signifie? Écoute, si tu pensais que ce n'était pas un mot jouable, tu aurais dû seulement contester. Je jouerais. C'est trop tard maintenant. Ton temps est déjà passé. Ce tour est passé et tu as joué un autre mot, d'accord? Maintenant, regarde ça. Parce que je suis sur le point de jouer un mot qui aura 7 lettres. Il faut que je joue un mot à 7 lettres ici. Il faut que j'arrive à avoir un mot à 7 lettres ici.
Oui, il faut que j'arrive à voir un mot à cette lettre ici. Tu es fini. Regarde ces mots. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est montage. Guéri, sans J. Oui, c'est montage. Genre, quoi, tu... Non, je ne le connais pas. Tu ne connais pas ce mot? Qu'est-ce que cela signifie? C'est montage. Peux-tu recommencer? Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as triché. Non, allez, tu as gâché les matchs. J'étais en train de gagner déjà. Tu as gâché. Pourquoi? Mais pourquoi tu es comme ça? Je pensais que ce n'était qu'un jeu. Mais parce que tu trichais. Alors tu as tout gâché. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc c'est cette femme qu'on est en train de romancer comme ça. Donc c'est cette femme dont le corps battait. Mais elle était là à prétendre. Hey! Les femmes avec leurs prétentions, ça va leur tuer un jour. Ça les tuera un jour. C'est cette femme qui est en chaleur comme ça. Pourtant elle faisait semblant. Elle n'a jamais essayé de me donner ne serait-ce qu'une seule chance un jour. Elle n'a jamais essayé de me donner ne serait-ce qu'une chance, une petite chance. Alors qu'elle sait bien que ma chose là est très performante. Voyez-moi cette femme. Si vous la voyez, vous direz que cette femme n'a jamais été testée. Que son corps est encore tout neuf, cam. Voyez ce petit avec qui il est, je suis sûr que même quand j'avais 10 ans, ce petit n'était même pas encore né. Voyez là, tout dans son corps fait caca. Tout ça pour suivre des hommes. J'espère, je prie seulement que cela puisse être un original, oh. Je prie que ce soit un original. C'était vraiment super. Tu es inspirante. Combien de temps penses-tu que cela va durer? Vraiment sérieusement? Sérieusement, Fiona a complètement changé. Elle ne sèche plus le cours et elle est première de sa classe. Ariette, pourquoi j'ai un pressentiment que tu essaies de me mentir? Pourquoi devrais-je le faire? Elle compte même à assister à nos programmes de cours supplémentaires à l'école. Ma sœur, tu ne sais pas combien je suis heureuse maintenant. J'ai toujours eu à penser que je l'avais déjà perdue. J'avais trop peur. J'avais vraiment peur de la perdre. Waouh, je suis soulagée. Je sais. Je crois qu'un jour je mettrai ma main sur ces fous qui est en train de lui distraire. Et si peut-être qu'elle a essayé de lui protéger loin de moi? Ah, peu importe. Je vais l'étrangler quand il reviendra. Cela m'a rendu trop fière. Bien, j'ai pensé à te créer ton propre business et je crois que ça ira très bien avec toi. Au moins, je survis. C'est ça le problème. Mais avec ce que je t'ai trouvé avec, tu ne pourrais pas survivre. Potentiel. Sérieusement, j'ai une proposition pour toi. Ok. Et si par exemple tu penses à créer ton propre business, juste fais-moi savoir. Ou soit je peux en trouver pour toi. Ok? Juste comme ça? Je veux dire, ce n'est qu'une relation. Ce n'est pas comme si j'étais ton fiancé.
C'est ça que tout ceci veut dire pour toi? Juste des sentiments. Écoute. Laura. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je ne suis seulement pas sûr de jusqu'où tu veux amener cette histoire. Je pensais que... Qu'on a déjà dépassé le niveau du fiancé et autres. Ah, j'ai pensé être ta proposante. Juste maintenant. Ok. Parfait. Je pense que c'est le meilleur moment pour lequel je me suis préparé. Laura, non. Je me promenais partout avec ceci. Il y a déjà un moment maintenant. J'avais juste peur que tu me dises non. Comment t'avais-tu pensé que je dirais non? Pour ce magnifique, excitant et beau garçon. Ça, c'est oui. Oui. Hey! Piccolo, piccolo. Tu sais, ça me va vraiment bien. Serait merci, hein. Merci beaucoup. Chai, regarde comment est-ce que ça me va. Chai, confirmé. Regarde comment ça me va. Chai, regarde-moi, regarde-moi. Regarde comment est-ce que je suis un basketteur. C'est juste que je ne suis pas si géant que ça. Oh mon Dieu, oh, je m'y attendais pas. Oh, viens là. Oh. Regarde-toi. Madame, aidez-moi à remercier Kamé. Regardez la chaussure qu'elle m'a achetée. Regardez comment ça me va. Hello, merci beaucoup. Chai. Désolé. C'est vraiment très beau. Ça va. Alors, d'où viens-tu? Je viens d'être engagée. Oh mon Dieu. Vraiment? Oh, félicitations. Merci. Alors, où est-ce qu'il est? Oh, il est dehors, il part qu'une voiture. T'inquiète pas, il sera là bientôt. Ça te va à merveille. Oh, c'est donc lui? Très beau. Et je savais. Chérie, c'est ma grande sœur Ariette. Heureuse de te rencontrer. Salut, Ariette. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur toi. Sérieusement, elle n'arrête pas de parler de toi. Vraiment? Elle ne m'a jamais rien dit de toi. Vraiment? Mais je t'apprécie déjà. Je me sens déjà très bienvenue ici. Bienvenue. Merci. Oh, maman, oh, mon bébé. Maman, tu vas te manquer, maman. Oh, tu vas aussi manquer. Toi aussi, maman. Regarde, tu t'entends. Oh, salut, Jenny. Comment toi? Oh, j'allais même oublier. Fiona, ça c'est mon fiancé Léonard. Léonard, elle c'est ma petite fille Fiona. Léonard, vous connaissez? Toi, avec ma maman? Attendez une minute. Bébé, chérie? C'est le même garçon qui a toujours détruit ta vie? C'est lui? Je suis désolé. Il faut que je parte. Désolé. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe réellement ici? Ariette! Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ma maman avait raison. Je pense que j'ai vraiment compris la vie. La vie que tu as détruite avec tes drogues. Je n'ai jamais voulu que rien de ceci arrive. Fiona, je te jure. N'ose pas jurer à moi. Ok, parce que ce n'est pas vraiment ça le problème. Mais il y a juste un truc. Ça serait mieux que tu me tues au lieu de blesser ma maman ou d'être encore près d'elle. Fiona,
Merde. Merde. Comment est-ce que quelque chose était si bon? Et soudainement, c'est devenu comme un enfer. J'ai fait plusieurs années. Jusqu'à quand je pensais à revivre ma vie. Oui, je l'avais aussi pensé. Que j'avais trouvé la vie sous mon ignorance. Mais toute chose sur toi et Ariette, je l'ai mise à côté. Je suis désolée, maman. Tu vas aussi t'en sortir. Fiona a raison. Cette relation dysfonctionnelle doit s'arrêter pour le bien de tous. Tout ira mieux, ok? C'est bon. Ouais. Mais je suis enceinte de lui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What you've been led to believe, oh.